Bien fort EA Sports pour son nouveau jeu FIFA 17 où l'on aperçoit le dispositif de l'adversaire et on doit se branler dessus le plus rapidement possible. En plus, ce mec s'appelle Monsieur Robot, donc il est en train de botter. C'est un gros fils de pute. On l'encule sa mère aussi. Voilà, bravo, merci. C'est très bien, ça a bugué. On va quitter. Et du coup, comme on peut pas faire Alt-Tab, si vous êtes sur console, vous êtes des enculés là, putain, vous ça marche. Et ben nous, on est dans la hesse, nous c'est la hesse. Nous, si on fait Alt-Tab, eh ben ça nous fait quitter le jeu, on perd le match, quoi. Et le pire, c'est qu'il y a marqué en message, il y a quoi marqué? Il y a quoi marqué? Putain, Ribéry, ta gueule, Ribéry! Merde, il y a marqué, vous avez perdu la connexion, on n'a pas le droit de faire Alt-Tab, sinon, voilà, t'imagines, t'es en fut de champion, hein? T'es en fut de champion, ça, je sais pas, moi, t'as une application, là. Elle va se mettre derrière, un petit pop-up, un petit Skype, je sais rien du tout. Ça t'enlève le plein écran, t'as perdu. Voilà, t'as perdu. Bah, je suis désolé, Alt-Tab, on peut pas. Hein. On vous avait pas prévenu, désolé. Hein. Ah, ça, si tu le sais pas, si moi je vous le dis pas, il y en a, ils le savent pas, ça se trouve là. Il hein. Y en a, ils font des Alt-Tab, là, bande d'inconscients. C'est quoi ce jeu? C'est quoi ce jeu de merde? Ce jeu de merde où tu fais 3 matchs, tu es obligé de tomber sur un bot de merde! Tu peux pas jouer normalement! Tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas! Il faut m'expliquer, il faut m'expliquer, ils font des mises à jour, ça améliore le jeu. Mais faudrait déjà rentrer dans le jeu pour jouer, putain. Faudrait déjà être dans le game. On n'est pas dans le game, on attend comme des cons, voilà, sur le dispositif. La con de ton Bakambu et de ton Williams. Pas possible. Mais c'est pas possible, je fais quoi? Je fais Alt-Tab, je perds la connexion, j'ai perdu 3-0. Ou j'attends comme un con. J'ai perdu 20 minutes de ma vie. Et ça se trouve, ça va même pas débloquer, putain. C'est quoi ce jeu EA? C'est quoi? Remettez-nous FIFA 16. Je sais rien, moi, putain, mais faites quelque chose sur PC. C'est la S sur PC. C'est n'importe quoi ce jeu, je suis désespéré. Je suis désespéré. C'est désespérant, le. Mais ils se foutent de notre gueule, quoi. Sur PC, ils délirent. Ils délirent, les mecs de EA, ils s'en battent les couilles. Ils disent, bah, refilez-leur une bêta, là, on va délirer. Non, mais sans déconner, quoi. Alt-Tab, t'as pas le droit de faire Alt-Tab. T'as pas le droit d'aller sur une autre application. T'as deux écrans, tu peux pas naviguer sur Google Chrome à côté. Genre là, à la limite, j'aurai un deuxième écran ou même pas. Là, je ferai Alt-Tab, je me baladerai, je reviendrai. Ok, ça a déconnecté. Non, non, tu restes là, tu niques bien ton. Tu laisses ton PC, voilà, ça va, c'est tranquille, on est bien là. Il est. Voilà. Donc là, le PC, on peut pas. Il est inutilisable. Le PC est HS pendant X heures. On sait pas pourquoi, à cause de ce putain de FIFA. Imagine en fut de champion. En fut de champion. T'as le dispositif. T'es chaud, t'es chaud. 30 secondes après, ça a bloqué. Ça a bloqué. Voilà. Ça a bloqué. Qu'est-ce que tu fais? Quelle est la réaction à faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais pas. Moi, j'appelle même plus. Moi, je fais que les appeler. Ils me disent, MSF, faut pas faire Alt-Tab. Faut pas faire Alt-Tab. Hein. Ils me disent, en gros, genre, tu peux pas faire. Attends. Ils me disent. Enfin, quand je leur explique la situation, je leur dis. En fait, monsieur, quand j'enlève le mode plein écran, ça me fait quitter automatiquement. Mais 10 minutes après, il me dit, ah d'accord, je vais contacter le service et tout avec leur accent de blédard de merde. Putain, en plus c'est énervant ça. Ils savent pas parler, tu entends pas. Et leur téléphone, il faut aller se racheter un téléphone parce que ça te nique les oreilles. Tu mets un haut-parleur à côté de l'oreille. C'est pas possible. Rachetez-vous des je sais pas moi. Rachetez-vous les téléphones, merde. Enfin bref, ils reviennent 20 minutes après, ils me disent. Alors, eh ben, il faut pas se mettre en mode fenêtre, ils me disent. Et après, elle me dit, est-ce que je peux vous aider pour autre chose? J'ai raccroché direct. Ouais, direct. Ouais, direct. Voilà. J'avais envie de mettre, prendre le téléphone, faire deux jongles avec, lui mettre un gros coup de tête dans sa. Oh là là, et là l'ordi, le moniteur, il va y passer aussi, la putain de sa mère, hein. C'est pas possible ce jeu, c'est pas possible, hein. Putain, il y en a, ils achètent ce jeu 70 boules, bon, à la limite, j'ai qu'à acheter 40 boules, là, mais bordel, est-ce qu'on peut jouer à un moment, quoi? Tu commences à lancer le match, ça le fait quand tu lances le jeu, quoi, sur PC, sans déconner, hein. Ça arrive pas à tous les PC, hein. Mais bordel, que ça casse les couilles. Putain de merde. Monsieur Robot. Monsieur, en plus c'est un franc. Oh, j'ai t'enculé, Monsieur Robot là. Je suis sûr, il botte, c'est obligé. Il veut faire le mec qui botte pas avec ses. Ah, mais nique ta mère, quoi. Putain de merde.
Ah, je sais plus quoi faire, je sais plus quoi faire. J'ai dû les appeler 100 fois. J'ai appelé plus que ma femme. Putain, eSport, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Tu les appelles, il y a un problème? Bah oui, hein. Une fois j'ai appelé, tu sais, j'aurais dit, j'avais fait une feuille, j'avais dit, alors, j'avais fait une liste de 5 bugs ou 6 bugs, s'il te plaît. Il dit, en fait, il y a plein de bugs sur le jeu. Ah, d'accord, ok. J'ai fait, en fait, c'est une bêta. Ah, je sais pas. Non, parce que franchement, on dirait une bêta le jeu, quoi. Ils ont fait une mise à jour de 800 mégas, mais niveau. Ouais, ça a amélioré les performances, ok. Mais les putains de bugs, le Alta Balacon, ça qui bug sur le dispositif, faut m'expliquer, quoi, putain. Faut m'expliquer. Puis les mecs qui lag là, les mecs qui lag, rachetez-vous une connexion, bordel! Rachetez-vous une connexion! C'est pas possible! C'est pas possible! Nous, les mecs qui veulent jouer avec une fluidité, quand on enregistre, on va enregistrer des gameplays jolis, même on veut jouer normalement, en 60 FPS, on peut pas parce que vous avez envie de jouer aussi, mais vous pouvez pas jouer en 60 FPS parce que vous avez une connexion de merde, on a envie de chialer, on a envie de se barrer. Et une fois, j'ai déclaré forfait. Une fois, j'ai déclaré forfait en plein match, tellement j'en avais marre que ça laguait. Et le pire, c'est que ce type de mec, à chaque fois, toi, t'es énervé, tu sais plus jouer, et lui, il joue trop bien. Genre, lui, il joue tellement bien sur FIFA avec les lags, ben c'est l'habitude. Lui, il est content, il te met des buts, il te met 3-0. Voilà. Donc, moi, je quitte directement. Moi, je quitte maintenant. C'est n'importe quoi. T'appelles, tu dis, ah, pourquoi monsieur, il a 3 barres là? Il a marqué 3 barres, monsieur. C'est normal? Bah oui, il a 3 barres, monsieur, ça se voit pas. Ah, d'accord, c'est le jeu. Non, c'est la connexion. On va vérifier les connexions. Votre connexion marche très bien, monsieur. D'accord, donc c'est la connexion de merde. Donc c'est quoi ces putains de 3 barres vertes? Ça ne. C'est l'effet placebo, ça déconne. C'est de la merde, c'est de la merde. C'est de la merde ce putain. C'est FIFA, mais on le suce, FIFA, c'est très bien, mais il y a plein de bugs, ça t'en gâte la vie, t'as envie de chialer, à chaque fois on dit ouais, on va aller sur PES, mais PES c'est de la merde, putain, PES. Putain, je crois que je vais même pas retourner. Je vais retourner. Vous savez quoi? Je vais retourner sur PES 2006. Sur PES 2006, ok? Ils vont faire un mode fut. Faites un mode en ligne. Putain, nique ta mère. En plus, le pire, c'est que là, t'entends les bruits, ça marche. Ça a juste bloqué dessus, quoi. C'est un truc de malade. En plus, là, je peux tirer, sans déconner. Eh, le bug sur PC, sans déconner. Quand t'es sur le dispositif de l'autre, derrière, en vrai. Là, normalement, je contrôle un joueur. Regardez, je vais appuyer sur B maintenant, vous allez entendre. Et là, je vais tirer. Vous avez vu? Mais putain, c'est quoi ce jeu? C'est quoi ce jeu? C'est quoi ce jeu? Tu tires derrière des dispositifs, tu vois pas tes joueurs. Mais putain, ça fait depuis FIFA 12, c'est comme ça. Depuis FIFA 12. Putain, mais ils peuvent pas faire quelque chose, FIFA 12. Allô, allô, est-ce que quelqu'un m'entend? Quand tu les appelles, ils s'en battent les couilles. Ils s'en battent les couilles. Et après, sur leur truc, sur les forums, ils disent, mais putain, mais regardez les forums, bordel de merde. C'est quoi ce jeu? C'est quoi ce jeu? Oh putain de merde, c'est quoi ça? Non mais sans déconner. Je sais pas moi, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Voilà, donc là je dois quitter. Là c'est bien ça, là je dois quitter. Je dois faire Alt F4, voilà, très bien. Je dois perdre 3-0. Et quand j'appelle, ils te disent, monsieur, vous avez perdu 3-0, on peut pas vous donner. On vous donne un pack premium or. Mais on peut vous le donner qu'une fois, hein. Après vous faites enculer par derrière, c'est pas grave, c'est pas notre problème. Bah voilà. C'est génial, FIFA 17 sur PC, c'est génial. Et voilà, donc tous les mecs de console qui donc nous insultent, et ben continuez à nous insulter, hein, parce que vous avez raison, tout simplement, parce qu'on est des gros caves. Sauf que nous, sur PC, voilà, on devrait être tranquille, normalement, on devrait avoir de problème, hein? Bordel. Je sais pas, moi, sur Xbox One, c'est Microsoft, c'est la vie, c'est Windows. Non, ça bug, on sait pas pourquoi. Nous, on a la bêta de FIFA 17. Putain, heureusement, vous n'avez pas le tabou. Hein. Non, mais sans déconner. C'est génial. Hein. Là, je vais tirer. Voilà, je tire. Voilà, je tire. C'est génial. Hein. La dernière fois, j'ai mis une barre transversale comme ça, mais je sais pas pourquoi. C'est génial. Mais le pire, c'est que, genre, quand tu les appelles, tu vois, je peux vous envoyer une preuve si vous voulez. Vous voyez ça? Regardez, ça a bugué. Ça fait que ça. Ça fait que ça quand je lance ce jeu la première fois, le premier match, ça bloque. Je fais quoi pour gagner des divisions 1? Pourquoi? Comment je gagne les divisions 1, bordel de merde? Putain! Les 15 000 crédits! Déjà que les crédits, c'est casse les couilles à avoir! Pas possible!
Putain, ils se branlent toute l'année avec ce jeu. Ils savent qu'on va l'acheter. Et ils te font de la merde à chaque fois. Et nous, comme des cons, on la rachète parce que c'est bien. Mais d'un côté, il y a plein de bugs qui te font dégoûter, quoi. Oh, putain, et parlons pas des scripts, parlons de rien. Putain, c'est pas possible. Oh là là, oh là là, oh là là. C'est un truc de malade, ce jeu. C'est un truc de malade. Ce jeu, il est plus important que tout au monde, sans déconner, hein. Moi, je sais plus quoi faire, là. Non, mais attends, mais psychologiquement, mais c'est difficile à encaisser, là. Hein. Je vais devoir aller me doucher, aller prendre un bain, là. Va falloir aller se calmer, là. Moi, je quitte 3-0, défaite. Perte de la division 1. Ah ouais, là, je chiale, direct. C'est un truc de fou. On commence à s'habituer, mais... Ah ouais, non, mais eSport, ils sont là pour te faire durcir le mental, là. Hein. Là, tu vas avoir un mental de footballeur après. Hein. Ah ouais, attends, c'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Ça fait combien de FIFA qu'ils nous ont sorti? FIFA Ultimate Team, ça existe depuis 2009 payant, 2010, 2011 gratuit. Ça fait 10... Oh là là, ça fait 7 ans, 6 ans, quoi. 6 ans, ils ont toujours pas corrigé ces bugs à la con sur PC, quoi. Mais dites-le si vous voulez qu'on aille sur vos Xbox One et sur votre PS4 à la con, là, putain, c'est très bien, mais... Mais quand on a un PC, on veut l'utiliser, merde, on veut jouer, comme tout le monde. On est exclu, on peut même pas participer à la FIFA World Cup, Interactive Cup, je sais pas quoi, là, à la FIWC. On peut même pas participer à ça. Qu'est-ce qu'on a fait? Oui, il y en a qui trichent, et alors, putain, en fut champion, on prenait 3 semaines à filer les récompenses. Alors regardez, là, les tricheurs, ben voilà, vous faites ça aussi, vous cassez pas les couilles. Putain. Pas capable à tout ça parce que voilà, ils ont leur petit partenariat à la con avec leur petite Microsoft Xbox One, hein, leur petite PS4. Là, quand ils sont à Paris à faire leur Paris Games Week, et ben ils mettent pas de PC, ils mettent leur petite Xbox One et leur petite PS4. Et nous, on passe pour des voilà, ils mettent jamais de PC. On est des c'est des racistes, hein. C'est des racistes, hein. C'est des racistes, c'est raciste, c'est de la discrimination, monsieur. Putain, on passe pour qui nous, les mecs sur PC là? On se fait pas respecter, c'est du. On se fait pas respecter. On se fait pas respecter. Voilà. Je crois qu'on va terminer là-dessus, hein, parce que voilà. Hein, non, mais là, je vais craquer, parce que je vais faire Alt F4, je vais craquer. Je vais craquer. Ah ouais, non, mais là, c'est plus possible. C'est plus possible. J'en ai marre. Oh là là. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que l'ordinateur peut faire là? Qu'est-ce qu'il fout? Je sais pas. Qu'est-ce qui va pas? T'as pas le droit de faire alt-tab. J'ai pas le droit de faire alt-tab. J'ai pas le droit de faire alt-tab. C'est waouh, c'est waouh. Attention, hein. Pourquoi? La question c'est pourquoi? Pourquoi? Il y en a qui se sont dit c'est pour enlever les trucs de triche. Je sais très bien. Que c'est pas pour enlever les trucs de triche, parce que les trucs de triche, ça passe par des boutons et pas par. Ah, tu re-switch, je sais pas quoi. C'est n'importe où. C'est n'importe où. Il ferait mieux de filer les récompenses le lundi, mardi, là. Le mardi, mercredi max. Au lieu de les filer le jeudi, la bordel de merde. Putain. Ça me dégoûte, ça me dégoûte. C'est le FIFA le plus buggé de tous les temps. C'est le FIFA le plus buggé de tous les temps, c'est tout. En tout cas sur PC, hein. Ça c'est sûr, ça c'est officiel. Ça c'est marqué, ça c'est dans le panthéon des FIFA les plus moins respectés, les moins respectés. Jamais eu un souci, je me rappelle avec FIFA 15, j'ai pas eu de souci. FIFA 16, ça m'est peut-être arrivé 3 fois dans l'année, quoi. Et là, ça t'arrive à chaque fois que tu lances ce putain de jeu. Mais sans déconner, quoi. Mais regarde pas comme ça, Bakambu, là, contre ta mère et Williams, c'est contre ta race, là. Et Mathieu, là, putain, va retourner te prendre un carton rouge à la con, là.
Oh, c'est pas possible. Gardiola, nique ta mère. Arrête. Va te chercher des cheveux, reviens, s'il te plaît, putain. J'en ai marre, je suis énervé. Je suis énervé là, putain. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait là? Allo, yé, oui, donc en fait le jeu il a bugué, voilà, donc je suis comme un con, comme d'habitude avec votre jeu de merde. Bah quittez, monsieur, vous perdrez 3-0 et on vous remboursera pas et vous passerez comme un con, voilà, comme d'hab. Voilà, on fera pas de mise à jour, comme d'habitude, parce que c'est sur PC et que sur PC on les exclut, pourquoi? Pour que vous alliez sur console, quoi. Parce que vous comprenez pas que PC c'est de la merde, que bordel de merde, Xbox One et PS4 c'est 10 fois mieux, putain. C'est fait pour jouer, un PC c'est pas fait pour jouer, ils vont me dire. Mais nique ta mère, je t'encule ta madre, putain!